de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être. Mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses guides, des courbes manuscrites comme dans les abbayes. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse je n'aurai pas le tact d'assumer mes épaves, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une vie de la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert. Il faudra être patient. Des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Belle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue. Qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. Ce genre d'enjeu, veut bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Baya papa ya papa. Baya papa papa. Baya papa ya papa. Laurence Ferrari et à Renan Luce. Et puis merci Baptiste, hein, c'est la première fois que les filles crient quand j'arrive. J'ai une petite lettre pour toi, Daniela. Ah, une lettre pour moi. Ah, donc pas un tweet. Non. Baptiste a 1 500 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Voici la lettre. 1983, le virus du sida a été co-découvert par Françoise Barré-Sinoussi, une grande chercheuse française. Depuis ce jour, c'est sans relâche qu'elle a continué ses travaux et son combat. Les progrès de la recherche permettent aux malades de vieillir et d'envisager un avenir moins sombre. Transmettre l'héritage de la recherche, c'est évidemment un enjeu majeur. Il y a un petit PS sur la lettre. Ah oui. Grâce à vos dons, SIDAction forme une nouvelle génération de chercheurs. Si on ne veut pas que le flambeau de la recherche s'éteigne, il faut passer le relais. Voilà, et c'est ce que nous allons faire. Nous aussi, Baptiste, nous allons passer le relais à Catherine Sellac et à Vincent Delerme pour Göttingen de Barbara. Ouais.